On va vous montrer comment fonctionne encore aujourd'hui une râpe à l'ancienne, c'est ça, hein, Pierre, hein? Oui, on va sur l'ancienne. Jean, il connaît mieux que moi. Et Jean, hein? Bah, c'est après-guerre, quoi. Disons que c'était du temps où il n'y avait pas encore trop d'électricité. On avait à peine l'électricité oui, pour. Oui, sûrement que ça. Entre les deux guerres, ça devait être fabriqué ce genre de choses. Attends, déjà, j'arrive pas à brancher là. La râpe julienne, c'est ça, dis donc, Pierre. C'est des engins qu'on a pu dire aujourd'hui. Ah, ça, maintenant, c'est tout électrique maintenant. Bah, c'est électrique. Voilà. Si, ils en vendent encore quelques-unes à. Voilà, voilà. En démonstration. C'est là qu'il y a du merdé, non? De la râpe à l'ancienne. À 94 ans, on ne peut plus manger les cerneaux comme ça, donc on est obligé pour avoir le bon goût de la noix dans absolument la salade. Voilà. Donc là, on va râper les cerneaux de noix. Voilà. Démonstration. Germaine va faire aussi. Commentaire de Pierre et Jean. Il va préparer sa salade, donc il prépare ses cerneaux pour. On ouvre le coffre. Voilà. On y met les cerneaux. On a besoin, voilà. On ferme le coffre et on tourne. Allez, on tient et on tourne. Voyez. Voilà. Alors, vous avez plusieurs gabarits de râpe pour faire fin, moins fin. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on râpait autrefois? Et regardez le produit fini. Et le produit fini, si ça a l'air bon, disons. C'est pas beau, ça. Même le goûter. Ça, c'est du cerneau râpé. Parfum de la noix. C'est goûtu. Et pour faire les gâteaux de noix, je vais faire aussi. Bien sûr. Et on rappelait aussi le fromage comme ça, avec ça, non? Oui, bien sûr, bien sûr, le fromage, pareil. Les pommes de terre. Les concombres, les pommes de terre pour faire les matins. Pommes de terre pour faire les gratins. Oh, dites-donc si ça devait être bon. La râpe à l'ancienne, on la voit ici, elle date des années 50. Elle marche encore chez vous, Germaine. Peut-être même avant celle-là. Peut-être même avant, je ne peux pas dire. Peut-être un entre-deux-guerres, peut-être. Oh, celle-là, elle est costaud. Ah, ben oui. Parce qu'après, il est bien. C'est vrai que là, il y avait des caoutchoucs. Ça manque les temps. Tous les deux. Ils sont partis, les caoutchoucs. Voilà, on ne trouve plus les pneus à la dimension. Après, il n'y a plus de pneus à dimension, c'est fini. Ah ben écoutez, Germaine, 94 ans, doyenne de Naves, elle utilise encore cette râpe à l'ancienne et elle fait des petits... elle fait bien manger. Hein. Oh là là là, et moi ça, merci encore. Il y a les gens qui vont passer pour s'inviter.